Ça ne m'appartient pas, ouais. Vraiment clairement, et ça c'est clair chez moi, c'est ouais. Que ça ne m'appartient pas, je ne suis pas ni un porte-drapeau, ni représentant de quoi que ce soit. Après, si effectivement ça peut inspirer des jeunes comme ça à faire des morceaux, ça les aide eux à dire ce qu'ils ont à dire, si ça représente quelque chose pour eux, ça leur appartient à eux, mais ça ne m'appartient pas à moi. Vous rendez compte que vous avez un devoir de faire attention à votre comportement, aux valeurs que vous véhiculez. Pas du tout. Mais si. Non. Mais si, puisque ce que vous pouvez dire peut influencer justement. Je refuse et je ne m'exprime pas en ayant ça en tête. Sinon, je dirais que de la merde. Ce que j'essaye de faire, c'est un devoir d'exemplarité comme des joueurs de l'équipe de France de football. Non, ils en ont pas. Ça aussi. C'est faux, c'est une fausse piste. Les joueurs de foot, ils sont là pour marquer des buts, il faut les laisser marquer des buts. Et on n'a pas besoin de savoir dans quelle voiture ils roulent, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils pensent. Et c'est des joueurs de foot qu'on essaye déjà. On n'a pas besoin de savoir, mais on sait. Et on donc sait. Ça peut donner de mauvais exemples. Non. Déjà, si au gouvernement, ils pouvaient donner eux l'exemple, après on ira voir les joueurs de foot. Tu vois que c'est important. Voilà. Et l'amour dans tout ça, c'est l'amour aussi. L'amour du de son prochain, c'est aussi lui foutre la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas empiéter là où on ne doit pas. C'est-à-dire qu'un joueur de foot, mais il quand vous poussez un coup de gueule par exemple sur le climat actuel dans une émission aussi. C'est mes pompes, c'est moi avec ce que je suis qui a envie de le dire. Et je le dis pas parce que je pense représenter quoi que ce soit. Déjà c'est un manque d'humilité de se dire je représente si, c'est important, tout le monde attend mon avis. Non. Il faut rester sur terre, je reste dans mes pompes et j'agis avec je suis totalement d'accord avec vous, mais sauf que quand vous donnez votre avis sur le climat, le comportement, le ceci, cela, même quand vous dites l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important maintenant, tant pis si je passe pour Miss France ringard en disant j'aime la paix, je suis contre la guerre, j'aime l'amour, c'est quand même des valeurs qu'il faut aujourd'hui faire passer. Sauf que je le fais parce que j'ai envie de le faire et je le fais pas en disant je porte tel ou tel drapeau, d'accord. Je représente telle ou telle chose, c'est-à-dire que cette responsabilité-là, on me demande si c'est dur à porter, je réponds que ce n'est pas dur puisque je ne la porte pas. Je n'agis pas en fonction. Et je pense que si j'agissais en fonction... Ça dénaturerait le propos. Mais complètement.